Bonjour à toutes et à tous. Le Téléthon 2022, ça y est, c'est parti. Après 2 années d'une crise sanitaire sans précédent qui a limité, voire empêché, la mobilisation dans les villes et dans les villages, cette année, plus que jamais, des animations Téléthon sont organisées partout en France et dans le monde avec cette envie folle de se retrouver, cette envie folle de partager. Depuis 2013, je le sais, les Français de l'étranger sont mobilisés à nos côtés aux quatre coins du globe. Dans les écoles, les locaux des associations françaises d'expatriés, devant des monuments emblématiques et de célèbres paysages de vos pays de résidence, vous faites preuve d'une grande solidarité, même d'une grande ingéniosité, et vous nous témoignez votre soutien au-delà des frontières de l'Hexagone. En 2021, et malgré les conditions sanitaires tellement difficiles, ce sont plus de 90 animations Téléthon que vous avez organisées dans 23 villes à l'étranger. Alors un grand bravo. Grâce à vous, grâce à votre fidélité sans cesse renouvelée, la vie des malades a changé. Ils bénéficient aujourd'hui de diagnostics, de parcours de soins adaptés, même de premiers traitements très très innovants qui sont issus de recherches nées dans les laboratoires du Téléthon. Mais parce que 95% des maladies rares restent encore aujourd'hui sans traitement, parce que de plus en plus de candidats médicaments sont aux portes de l'essai thérapeutique et que nos chercheurs nous le disent. Ils nous disent quoi ? Ils nous disent que les premiers médicaments ont ouvert la voie. Ils connaissent maintenant le chemin à emprunter, c'est juste une question de moyens. Alors plus que jamais, il nous faut continuer, voire amplifier cette belle mobilisation pour multiplier les victoires. En 2022, nous vous savons déterminés à ne rien lâcher. Abata, Francfort, Londres, Dublin, Madrid, Princeton, Séoul, Pékin et dans bien d'autres villes, les Français expatriés participeront à la grande fête du Téléthon. Alors merci, merci à vous, à tous les organisateurs d'animation Téléthon à l'étranger et merci aux partenaires de cette opération. Lepetitjournal.com, la FIAFE, la Caisse des Français de l'étranger, l'AEFE, la Mission laïque française, Français du monde ADFE, l'UFE et expat.com. Nous comptons sur votre formidable mobilisation pour construire ensemble les victoires de demain. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles animations et un très bon Téléthon 2022. Au nom des malades, au nom des familles, un immense, immense merci.